Comment tu le mets en place concrètement à l'entraînement? Parce qu'il y a tellement de choses à travailler. Bon, la palette technique, je suppose que tu travailles, mais tout ce qui est justement ça, leadership, gérer le lien entre les avant et les trois quarts et tout ça, tu le travailles ou t'as une méthode particulière? Ouais, ça se travaille un peu voilà, lors des entraînements, quand on fait des entraînements séparés, que ce soit avec les trois quarts ou les avant. Après, c'est aussi un petit peu, je pense que demi-mêlée, comme tous les postes, c'est un truc un peu inné, il faut l'avoir un peu en soi et essayer d'avoir le caractère qui fait qu'on peut jouer à ce poste-là. Mais c'est vrai que ça se travaille après, il faut être proche de ses joueurs, essayer d'avoir toujours le bon mot pour ses coéquipiers, pour arriver à être pour fédérer autour de soi. Ouais. Qu'est-ce que tu dois mettre en place du coup au quotidien, à l'entraînement, pour arriver à avoir ce niveau de performance? Qu'est-ce que je dois mettre en place à l'entraînement? Répéter ces gammes techniques le plus souvent possible, que ce soit la passe et le jeu au pied. Essayer toujours d'analyser, que ce soit avant ou après les entraînements, le côté stratégique.